Ouvrez les poumons, respirez bien large. Aujourd'hui, c'est l'air de la montagne, l'air de la Savoie, dans 24 minutes chrono avec Jean Sulpice. Bonjour. Salut Jean, comment va? Bien, c'est un plaisir de te recevoir. Bah, c'est de même, partagé. Le chef de l'Oxalis de Val Thorens, c'est le plus jeune chef 2 étoiles de France, Jean Sulpice. Très beau parcours. Hein? Bah, merci, c'est gentil. Et tu adores cuisiner les produits de ta région et tu es venu avec eux, notamment une plante qu'on connaît pas bien dans nos villes, c'est l'oxalis, hein, qui porte le nom de ton restaurant. Ouais, c'est ces petites oseilles qu'on ramasse entre 100 mètres et jusqu'à 1500 mètres d'altitude qui poussent notamment à côté des cèpes. C'est un oseille sauvage qui est très intéressant et qui est en forme de cœur, si vous ouais, regardez comme ça. On dirait un trèfle un peu aussi, hein. C'est un trèfle en forme de cœur et ce trèfle-là me porte bonheur depuis 10 ans. Ah bah alors voilà, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête, ça va continuer. Justement, il a accepté, Jean, de relever le défi de cuisiner en moins d'une demi-heure, en 24 minutes chrono. Alors qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors je vous ai confectionné une soupe d'œuf aux cèpes. Ah, génial, je connais. Et ce que j'apprécie dans la cuisine, c'est le jeu de texture. Donc c'est pour ça que les œufs, on va faire une brouillade d'œuf, on va les mixer, ça va nous faire une soupe et on va poser une mousse chaude aux cèpes. Et dessous, on va mettre des cèpes hachés qui vont apporter justement une texture. Parce que pour moi, la cuisine, le jeu de texture est très important. Très important. Et on va servir ça justement dans l'œuf. Donc pour ça, on va découper notre œuf tout simplement comme ceci, où on toque sur le dessus. Donc on prend un petit ciseau comme ça. Ça y est, il est parti, parce qu'on fera également une pastilla de saumon. Vous verrez ça et tout après, à l'heure. Et après, on fait la découpe comme ceci. Voilà. Et ce qui est très important, c'est de tourner. C'est pas le ciseau qui doit tourner, c'est l'œuf qu'on doit faire tourner. C'est génial. Voilà. Et alors, c'est vrai que le dressage est très important pour toi. Et on va faire un très, très beau dressage tout à l'heure. C'est une cuisine qui met vraiment le produit au centre de l'assiette, mais avec toujours, comme tu le dis, cette volonté et ce souci du jeu de texture, des contrastes et puis de la beauté quand même. Hein. Elle est belle, elle est épurée, ta cuisine. Bah, ce qui est très important pour moi dans la cuisine, c'est le goût, c'est la texture. Et comme je suis un chef dans la montagne, on va droit au but, et le but, c'est le respect du produit et surtout les saveurs. Et quand on a des très beaux produits comme ça, quand on a du cèpe, des œufs, les œufs, c'est un produit qu'on a toujours dans notre frigo, on peut faire plein de choses avec les œufs. Et là, justement, de pouvoir le reconstituer, de le remettre dans l'œuf, bah, ça nous fait une très très bonne tapas. Œuf bio, d'accord. Œuf bio ou œuf de ferme qu'on va chercher chez le petit paysan du coin. Ou œuf de poule élevé en liberté, mais bon, on va pas se faire encore des amis, mais je répète, on arrête aujourd'hui les œufs, justement, qui sont élevés par des poules en batterie et qui sont gavés d'antibiotiques. On prend des œufs bio ou des œufs de poule élevés en plein air. Donc voilà, donc là j'ai coupé les œufs, on va les rincer, mais pendant ce temps qu'on va les rincer, on va surtout porter la crème à ébullition. Bah, fais comme chez toi, allez, dans le réfrigérateur, en haut à droite, tu vas voir. Regarde, en haut à droite, c'est une bouteille qui est allongée juste sur la droite du réfrigérateur. C'est Jean Sulpice aujourd'hui, le chef de l'Oxalis, dans 24 minutes chrono. On porte la crème à ébullition, donc la demi-litre de crème. On la porte à ébullition et ensuite, on va mettre nos cèpes dedans qu'on va mixer avec l'agar-agar. Alors, les cèpes, évidemment, on en trouve quand c'est la saison. On en trouve chez toi, d'ailleurs, hein, dans les montagnes. Oui, je vais même les ramasser, justement, dans la vallée des Belleville. Ça fait partie du plaisir de pouvoir aller dans la forêt et s'oxygéner et d'aller à la cueillette de ces beaux champignons que j'apprécie énormément. Très important, le lien avec la nature pour toi. Il ne se passe pas une journée sans que tu ailles te promener dans tes montagnes entre deux services, par exemple, que ce soit pour la cueillette des champignons ou faire un petit tour de VTT. Ou même hein, pour aller chercher des petites herbes, parce qu'on a quand même des belles herbes aussi à la montagne. Mais c'est important qu'on est dans une atmosphère de nature, de profiter de ça. Si la nature nous offre ça, eh ben, il faut en profiter, il faut aller la découvrir, il faut aller humer un peu les parfums. Et c'est comme ça qu'aussi que les idées arrivent. Et naissent. Et c'est vrai que c'est important aussi pour toi de te reconnecter avec les émotions de ton enfance. Parce que tu as grandi au milieu des cuisines. Hein. Jean Sulpice, c'est un nom prédestiné dans la famille. Parce que du côté de ta maman, il y avait déjà deux oncles qui s'appelaient Jean Sulpice. Mais tu sais tout sur moi, c'est pas possible. On a des dossiers. Attendez, on travaille pendant des années. Je ne peux plus rien cacher maintenant. Tu peux plus rien cacher. Et donc, tu as grandi dans les cuisines et l'œuf à la coque, en fait, t'as bercé comme nous tous, quoi, en fait. Hein, très tôt. Oui, puis j'ai la chance d'être né dans un petit village où la nature était très, très proche et j'allais chercher justement les œufs à la ferme. Et ça, c'est des souvenirs d'enfance qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire retranspirer. Et c'est ça aussi, la cuisine de terroir. C'est pas uniquement le produit, mais c'est aussi des souvenirs d'enfance. Il faut refaire transpirer ces souvenirs-là.
Et on voit que l'émotion, elle vient naturellement quand on éveille ses souvenirs d'enfance. De l'émotion aujourd'hui avec la soupe d'œuf au cèpe de Jean Sulpice. Alors, il a mis la crème à ébullition pour cette soupe d'œuf qu'on va mixer dans un instant. Est-ce que tu veux aller chercher des cèpes surgelés, par exemple ? Eh bien, bien sûr, on va faire comme à la maison. On va faire comme à la maison parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'en trouve pas forcément toute l'année. Donc là, on met nos 3 grammes d'agar. Ah oui, alors l'agar-agar, parlons-en, c'est une poudre d'algues qui a un pouvoir gélifiant. Voilà, tout à fait. Qui est très utilisée maintenant en cuisine. Qui tient à chaud, contrairement à la gélatine, l'agar-agar tient à 80 degrés. Donc c'est pour ça que, comme on va faire une mousse chaude qu'on va mettre après dans notre siphon à chantilly, ça va nous permettre de faire juste une mousse aérienne, mais chaude. Voilà, une belle mousse avec une belle texture. C'est la cuisine de Jean Sulpice. On les met dedans. Alors, on attend un petit peu. On attend encore. Il faut faire cuire l'agar environ 3 minutes. 3 minutes, d'accord. Et après, on mettra nos cèpes et on les portera à ébullition. Ce qui est amusant, c'est que cette poudre d'algues est très utilisée au Japon et les Japonais l'utilisent même dans le thé parce que l'agar-agar a des vertus et des petits pouvoirs digestifs. Voilà, il goûte, regardez. Il assaisonne. Voilà. Il rectifie l'assaisonnement. Comme on dit. Toujours très important, l'assaisonnement. Toujours goûter, très très important. Hein. Alors pensant que la crème est en train de bouillir, on va juste passer sous l'eau notre cèpe et après on va le faire revenir. Donc ça sera les cèpes qu'on va hacher, qu'on va mettre au fond de... Un petit essuie-tout. Hein. Oui, voilà. Très bien. On est d'accord, parce que l'eau sur le champignon, ça retire quand même une partie du goût quand ils sont pas trop sales comme ça. T'es d'accord ou pas? Surtout le cèpe, c'est très important, c'est pas de le tremper dans l'eau, c'est juste comme tu fais, de le rincer, de le caresser délicatement. Je te le taille en lamelles. C'est ça la magie aussi de la cuisine. C'est ça, exactement. Tu me le tailles en lamelles et tu vois, regarde, la crème, elle est parfaitement bien là. Elle est onctueuse, elle s'est épaissie. Et là, à ce moment-là, on va incorporer nos cèpes. Alors, on regarde, parfois il y a des petits habitants dans les cèpes. ça peut arriver. Donc là, on met 100 grammes de cèpes, comme ceci. Voilà, ça c'est du cèpe surgelé. Donc encore une fois, on est là pour vous donner les pistes et les clés pour refaire ces recettes à la maison. Aujourd'hui, une cuisine de chef, le chef savoyard Jean Sulpice, qui est venu avec son Beaufort, avec son Oxalis et avec les crozets d'ailleurs, qui sont très présents aussi là-bas dans la région. Les petits crozets. Les crozets, la pelinte. Et le beurre. Il y a du beurre en Savoie aussi. C'est riche la montagne. Je te fais chauffer une noisette de beurre. Donc Jean. Là, on met un petit peu de beurre dans la casserole, dans la poêle. On les fait revenir. Et après, on va faire revenir nos cèpes naturellement. Donc là, cuisine des champignons. Il pousse jusqu'à quelle altitude chez toi, le cèpe? Tu vas Alors moi, je ramasse le cèpe à partir de 1500 mètres d'altitude dans des forêts de sapins. Et par contre, on les a très tard. Cette année, elles sont arrivées tôt. On les a ramassées fin juillet, mais d'habitude, c'est plutôt fin août, début septembre. C'est ça. Hein, ouais. Et il y a plusieurs variétés, c'est vrai, de cèpes. Il y a des cèpes qui poussent au pied des épicéas. Il y a des cèpes qui poussent au pied des châtaigniers. Ouais, et puis un petit peu aussi dans les prairies aussi. Ça arrive, suivant la saison. Ça pousse dans l'herbe, comme ça, c'est caché, il faut bien regarder. Et l'oxalis n'est pas loin parfois. Et l'oxalis, c'est juste à côté, sous les sapins. L'oxalis, c'est comme un lierre qui pousse sous les sapins. L'agar-agar a eu le temps de se dissoudre. Voilà, donc là, on met nos cèpes, mousse et notre crème dans le blender. Voilà. Est-ce que tu veux que je booste un peu plus la température de la poêle pour la poêlée de cèpes? Ouais, on met à fond, on va cuire les cèpes à fond. Donc là, il faut mixer à fond. Donc c'est vrai que c'est gain de temps aussi avec des cèpes surgelés. Il n'y a pas le travail du nettoyage, il n'y a pas tout le travail qu'on peut avoir à faire avec des cèpes frais. Allez, je m'occupe des cèpes. Allez, tu fais revenir les cèpes. Moi, pendant ce temps-là, je vais passer la mousse. On est d'accord qu'on est sur du feu vif sur le cèpe. Et pas trop longtemps, en fait. Non, pas trop longtemps. Il faut bien faire colorer. Ce qui est important, c'est donner un petit peu un rissolage. Une coloration. Comme ça va donner un petit amertume qui sera intéressant aussi. Faut que ça rissole et on aime bien retrouver la texture du cèpe aussi avec ce petit côté. Regarde cette mousse là. Croquant, regardez comme c'est beau ça. Soupe d'œuf au cèpe aujourd'hui avec Jean Sulpice et dans un instant on attaquera une pastilla. Regarde les parfums. De saumon. Comme ça sent ça, bon. Ça c'est beau et ça sent très bon. Voilà, et donc ça après on va mettre ça dans nos siphons. Ah oui. Avec deux cartouches à chantilly. Alors le siphon, c'est vrai que c'est un instrument qui nous permet d'avoir de belles textures, des mousses bien aérées, mais on peut remplacer ça par autre chose ou pas? Alors, le siphon, j'ai découvert le siphon au tout départ quand j'étais gamin. Et on faisait une chantilly. Et un jour, je me suis aperçu que ça, on pouvait justement faire une chantilly chaude. Chantilly chaude?
C'est ce qu'on va faire. Et pour moi, c'est quelque chose de magique, ce siphon. Est-ce que tu vas picher un entonnoir? Bon, regarde. Regardez, oh là là, alors ça, c'est magnifique. T'as le coup d'œil, là. Hein. Moi, c'est six mois d'apprentissage pour arriver à ça. Hein. Ça, je te le dis tout de suite. Sinon, il y a des pâtés. Et oui, on peut le faire différemment. C'est qu'on peut, par exemple, la crème, on peut la mettre sur le dessus, mais on n'aura pas du tout le même résultat, et c'est dommage. Voilà. Mais par contre, on ne peut pas s'interdire de faire la recette si on n'a pas de siphon. Donc ça, là, on met une cartouche. Voilà, c'est magique. C'est magique. Et on va avoir une belle mousse. On se coupe bien. On en remet une deuxième. La cuisine de Jean Sulpice aujourd'hui dans 24 minutes chrono. Ça fait une dizaine de minutes que nous sommes ensemble. La poêlée de cèpe, ça te va la coloration? C'est parfait, tiens, je te laisse le mettre là. C'est pas mal ça. Et pendant ce temps-là, on va faire revenir les œufs. Voilà. Comme ceci. C'est parfait. Là, ça marche, là, le feu, ouais, ça a fond. Ah oui, le feu. Alors, vas-y, vas-y, tu veux quoi là? Ah, on va mettre à fond. Allez, c'est reparti, à fond, voilà. Pour les œufs brouillés. C'est ambiance brouillée, alors, là? C'est ambiance brouillée, voilà. Ce qu'il faut, c'est bien remuer comme un sabayon, vas-y. Moi, pendant ce temps-là, je mets la deuxième cartouche. La cuisine de Jean Sulpice, aujourd'hui, dans 24 minutes chrono. Tu vois, regarde. Formé à l'école Marc Véra, Jean Sulpice. Voilà. Alors, là, voilà la mousse. C'est parfait. Donc ça, je vais t'acheter tes cèpes en train de cuire de ça. Alors, ce qui est très important quand on cuise les œufs comme ça, c'est qu'à un moment donné, ils vont commencer à coaguler. Et à ce moment-là, il faudra stopper la cuisson avec une noisette avec un peu de crème. Donc, je sors la crème. C'est comme les œufs brouillés, hein, on peut leur stopper la cuisson avec du chèvre frais, par exemple. Oui, par contre, là, on veut quelque chose de neutre parce que c'est le cèpe vraiment qui va emporter le. C'est le cèpe qui est la vedette. Et c'est vrai que l'œuf et le cèpe s'entendent très bien. Hein. Les champignons avec les œufs, c'est une belle association. Donc là, tu vois, je hache un tout petit peu les cèpes. Ah, c'est pas mal, ça. Ça commence à être pas mal. Hein. Voilà, faut bien faire sur les côtés aussi. Hein. Oui, chef. Faut pas que ça accroche. Oui, chef. Voilà, à ce moment-là, ça, c'est pas mal. Tu mets ta crème. Je mets ma crème combien en quantité? Juste un petit trait. Voilà. Voilà, très bien. Et on y retourne. Tu vois, moi, j'ai hache les cèpes. Alors, mets-en encore un peu plus et après, on va mixer le tout au mixeur plongeant. On va mixer les œufs brouillés pour avoir une belle texture. Regardez-moi ça. Voilà. Est-ce que t'as goûté? Est-ce que t'as mis un peu de sel? Je vais goûter. J'ai vu que t'as pas mis d'assaisonnement. Ça, c'est pas bien, non, ça. L'assaisonnement, c'est très important dans la cuisine. Je vais te faire engueuler. C'est très important. Ah oui, t'as raison, oui, ça en manque. Ouais. Oui, un petit peu de poivre aussi. Tiens, un tout petit peu de poivre. Voilà, c'est parfait, ça. C'est parfait. C'est parfait. Allez, tu prends, je te laisse mixer ça avec le mixeur plongeant. Rien que ça, à la maison, ce petit haché de cèpe par-dessus des œufs brouillés, c'est très agréable aussi. Hein. Regarde, alors, ce qui est très important dans cette étape, regarde bien. Hein. C'est de mettre le cèpe au fond. La magie de ce petit tapas, ce petit amuse-bouche, va venir grâce à ces cèpes qui sont hachés. Et là, on retrouve le jeu de texture dont tu parlais tout à l'heure, en fait. Hein, on a quelque chose d'un petit peu croquant dans le fond. On va avoir le fondant et le moelleux de notre soupe d'œuf. Allez, allez. Je te laisse mixer un peu, là. Oui, chef. Allez. Je mixe avec... C'est quoi, cet hiver? Cet hiver, j'aimerais bien faire un petit peu de ski du côté de Val Thorens, me faire un petit déjeuner sympathique à l'Oxali, c'est un stage en cuisine. Non, bah voilà, exactement. Hein, c'est pas mal. Je recrute. Je suis venu te voir dans tes cuisines, déjà, ouais. Jean. Et c'est vrai que c'est une équipe très jeune autour de toi. Et une très bonne ambiance, ça ne crie pas, c'est plus du tout l'ambiance non, des anciennes brigades. C'est très important dans notre métier, justement, c'est transmettre le métier et... Les jeunes qui arrivent justement dans le métier, il faut leur donner la passion, l'amour du métier, l'envie de bien faire. Et en étant un chef jeune, c'est important justement de former la nouvelle génération qui arrive, qui seront les futurs de demain. Et Marc Véra a eu un rôle important pour ça. Voilà, pour comme mes pères ont fait avec moi, et c'est très important aussi de faire la même chose de mon côté. Je te laisse prendre une grosse cuillère. La transmission. Une grosse cuillère. Et là, tu vas mettre la soupe d'œuf au fond. Oh, le bizutage. Voilà. Regarde. Allez. C'est parfait. Allez, tu remplis sur tout et moi je mets la mousse. Et on met la mousse par-dessus. Une cuillère à soupe, ça suffit? Ouais, c'est parfait. Soupe d'œuf au cèpe aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez refaire à la maison et qui est vraiment réconfortant, chaleureux. Alors, ce qui est important aussi, c'est pas d'en mettre partout autour. Oui, alors je vais nettoyer, chef. Ah, mais je vous le dis, c'est important. On va encore en mettre un peu là. Regarde. Hop là. Voilà. Voilà. Ah, t'as fait un pâté, là. Ouais, c'est pas le mien, celui-là. Chacun son pâté. On l'enlèvera après. Non, mais et c'est là, important regarde. De rester comme il faut. Ça, c'est super sympa. Et hop, il y a cette mousse qui est légère, onctueuse. Et qui a vraiment
un goût de sous-bois. Et la petite touche finale, on va prendre une petite feuille d'oxalis qu'on va mettre sur le dessus. C'est génial. Et après, pour le côté... Regardez le dressage. Sympa. Comment ça va être joli. L'oxalis, la voici. Alors, je le rappelle, hein, si on n'a pas de siphon, on fait une mousse aérée au mixeur pour avoir une petite émulsion par-dessus avec de la crème fraîche, par exemple. Voilà, on prend le mixeur plongeant comme tu as fait et on émulsionne avec notre mousse. Alors, goûtons l'oxalis parce que c'est vrai que ça ressemble à l'oseille. Il y a cette petite acidité, c'est presque acidulé, quoi, même, hein. Ça me réveille des... Quand j'allais chercher, voilà, justement, les œufs... Ça, c'est joli avec les plumes, c'est magnifique. Quand j'allais chercher les œufs, justement, dans le poulailler. Et ben voilà. Et c'est l'esprit aussi de l'œuf gobé. Quand j'étais gamin, on faisait gober les œufs, on faisait un trou d'un côté, un peu gros trou, et tu prenais comme ça. On a tous fait ça. Et c'est la magie de la campagne, c'est la magie de la montagne, c'est la magie, justement, de l'authenticité, de la nature. Voilà. Comme quoi, on peut faire... Un plat riche d'émotions et riche de saveurs. La magie de la cuisine de Jean Sulpice. Voilà pour l'entrée, on attaque le plat maintenant. Le défi continue avec Jean Sulpice et on va attaquer maintenant notre plat pastilla de saumon. Et alors là, on va retrouver encore ton jeu de texture, du croustillant et du fondant. Très important, le jeu de texture dans mes montagnes. Donc là, on va remplacer justement la peau croustillante. C'est comme si on la cuit pour qu'elle soit bien dorée. On va remplacer par la pâte à filo. Du reste, si tu veux, tu peux me la sortir. Mais bien sûr, chef. La pâte filo qu'on utilise. Ça va nous permettre justement de mettre des saveurs dans le saumon. Où on va mettre du cresson, du citron vert et du parmesan. Donc pour ça, on va étaler notre pâte à filo sur notre planche. La pâte filo, alors ça, c'est vieux comme le monde. Hein. C'est les Grecs qui, paraît-il, auraient inventé ça. On va mettre deux feuilles. C'est de l'eau et du blé, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. C'est un petit peu la texture de la feuille de brique, hein, pour résumer. C'est beaucoup plus fin que la feuille de brique. Je préfère ça que la feuille de brique. Et ce qui est important, c'est de badigeonner ça. Avec du beurre. Avec du beurre. Alors, ça ne sert à rien d'en mettre trop. Le beurre est uniquement là pour... coller la pâte. Après, ce qui est très important, c'est ne laissez pas votre pâte trop longtemps dehors parce que sinon elle va sécher et là vous serez embêté. Donc là, vous voyez, on prend du cresson. Voilà. Le cresson qui va apporter son acidité. Alors, ça, c'est un petit clin d'œil au saumon à l'oseille. Pratiquement, avec le cresson qui remplace l'oseille. Oui, c'est toujours une petite touche de nature que je mets dans ma cuisine, ce qui est important pour moi. C'est mes montagnes, c'est... La verdure est très importante, même pour le visuel, parce qu'on aura un contraste de couleurs qui va nous mettre en appétit. Alors là, une petite touche de citron vert sur le dessus, comme ceci, là. Ça va mettre un peu de... Et du parmesan. Alors ça, c'est la première fois que je vois cette association. Au lieu d'assaisonner, de mettre du sel, de mettre du poivre, eh ben, c'est le parmesan qui va assaisonner. En même temps, il va servir de liant. C'est vrai que tu aimes les associations étonnantes avec les fromages. Je me souviens d'un reblochon que tu as juste toasté avec des écrevisses. Avec l'écrevisse, tout à fait. Ouais, c'est très sympa. Et ce qui est curieux, c'est que ça fonctionne. Quoi. L'association fonctionne très bien. Voilà, donc là, on le tourne comme ceci, tout simplement. On s'en fait un deuxième. Donc là, on met du beurre qu'on a juste fait fondre tout simplement. On va mettre notre cresson. Est-ce que tu veux que je chauffe la poêle? Alors, on va attendre encore un petit peu, le temps de monter. Alors, ce qui est très important aussi, c'est qu'on a toujours tendance de trop cuire nos poissons. Et le fait de le cuire comme ça, tu vas voir... On le veut rosé, hein. Il sera rosé, il sera moelleux, il sera chaud et... Je dis toujours, on a trop tendance de cuire le poisson. Et le poisson, c'est très bon quand c'est peu cuit. Parce qu'on a vraiment toutes les saveurs. Et surtout, le côté moelleux du poisson. Un poisson sec, c'est pas possible, quoi. C'est comme les viandes. Alors après, c'est vrai que c'est une histoire de goût. Mais une bonne viande rosée aussi, c'est très agréable. Hein, un veau rosé ou même du porc rosé, quand on a une bonne qualité de viande... C'est très agréable, il faut vraiment bien contrôler la cuisson. Jean Sulpice, le chef de l'Oxalis à Val Thorens, il est là pour vous. On va mettre la poêle en chauffe, Jean. Voilà, on va mettre un petit peu d'huile d'olive alors. On va mettre un tout petit peu d'huile d'olive et on va faire revenir ça de chaque côté, tu vois, comme ceci. Ça crépite là. Ça chante. Et ça sent bon déjà. Et c'est une belle association. Et là, on a le parmesan qui va se fondre avec le citron, qui va diffuser. Et puis le cresson aussi va justement se cuire un petit peu. Et ça va retomber comme l'épinard. Voilà, exactement. Hein, ça va faire une petite tombée de cresson.
une petite tombée de cresson, un petit coup de propre. Donc là, on va l'augmenter. Pendant ce temps-là. On va l'augmenter un peu. Ce qui est bien, faut pas hésiter. On peut mettre encore un tout petit peu d'huile, comme ça, comme ceci. Alors là, on a mis du saumon fumé. Parce qu'en fait, le gras va permettre justement de colorer. Et si on n'en met pas assez, ben ça va brûler. Ça va pas colorer, mais ça va brûler. Alors là, on a mis du saumon, mais on pourrait y mettre également de la truite, hein, la truite de tes montagnes. On peut mettre de la truite, on peut faire aussi avec une langoustine, par exemple. On peut faire avec une crevette, on peut faire avec une Saint-Jacques. On peut vraiment... Après, c'est à libre de choix. C'est ça, la magie de la cuisine aussi. C'est suivant l'imagination de chacun. C'est de composer avec les saisons, voilà, et avec vraiment le marché du moment. C'est joli, ça croustille, ça a une belle coloration. Je vous rappelle le menu de Jean Sulpice aujourd'hui. Dans 24 minutes chrono, nous avons fait en entrée des œufs avec une mousse d'œuf au cèpe à l'intérieur et puis en plat, ce saumon avec de l'oseille enrobé par la pâte filo bien croustillante. Alors on contourne. Alors après, ce qui va être sympa justement, c'est qu'on va, la couper en deux pour vraiment voir la démarcation. En même temps, on va voir le cresson et ce rose du saumon qui sera cru mais chaud. Toujours reconnaître le produit, hein. Tu n'aimes pas trop transformer les produits. Il faut vraiment qu'on retrouve le produit originel quand même. Et puis les parfums, c'est une cuisine de parfums ta cuisine. Ben pour moi, ce qui est important, c'est de remettre en valeur le produit en apportant des touches de subtilité, de différents parfums, de différents produits qui sont autour de ça. Et c'est ça, on allait camoufler un produit. Aujourd'hui, on a des produits de très bonne qualité. Pourquoi aller dénaturer ces produits-là? Il faut justement les remettre en avant, il faut les réveiller. Il faut leur mettre un peu du... Un terme culinaire que j'aime bien, c'est de mettre du peps. Mettre du peps. Ce que tu as fait avec le parmesan et justement le cresson qui viennent souligner le saumon. Il aime mettre du peps dans la cuisine. On parlait de transmission tout à l'heure avec Jean Sulpice et on parlait de Marc Vera qui a cru en lui très tôt. Mais toi aussi, tu aimes la transmission dans l'autre sens, tu aimes donner. Et exemple avec la crèche de Val Thorens, c'est toi qui fournis les repas pour la crèche de Val Thorens. Oui, depuis 2 ans, je fais les repas de la crèche des enfants de 17 mois à 3 ans. Et c'est très passionnant parce que je me suis aperçu que les enfants, ils peuvent manger comme nous, comme tout le monde. Et c'est très important qu'ils mangent varié. Ne serait-ce qu'une vraie purée, mais une bonne purée. Une purée, même du poisson, parce que ces enfants-là, c'est nos clients de demain, c'est eux qui vont relever le défi de la gastronomie française. Et puis l'importance de manger sainement aussi, ça c'est quand même très important pour tous les chefs de ta génération aussi. Le produit de saison, le produit de ta région, et puis l'équilibre alimentaire. Ah bah, l'équilibre alimentaire, c'est plus qu'important, c'est obligatoire justement pour... Et puis surtout, c'est l'apprentissage du goût est aussi important que le reste de l'éducation. Revenons-en à notre saumon, Jean. Alors, la coloration, ça te va? C'est parfait, c'est croustillant. Il faut laisser encore un tout petit peu pour tant que la chaleur monte à cœur. Et là, dans quelques secondes, tu vois, on voit sur le côté que notre saumon est en train de cuire. Et alors, ce qui est important, c'est... Voilà, donc le saumon a une bonne coloration. Ce qui est bien, c'est de le laisser reposer. La chaleur va continuer à pénétrer à l'intérieur. Voilà, et la chaleur va continuer à aller au cœur progressivement et on aura une cuisson qui sera parfaite. Alors récapitulons avant que tu dresses notre saumon au cresson. Jean, notre entrée, la voici, c'est cette soupe d'œuf au cèpe. Alors dans le fond, il y a les cèpes hachés. Après, sur le dessus, on a mis notre soupe d'œuf pour justement avoir ce jeu de texture entre la mousse, la soupe d'œuf et les cèpes hachés. Et la crème de cèpe au siphon. Alors ça, on le fait à la dernière minute, évidemment, hein, la crème au siphon, parce que ça va retomber sinon. Oui, il faut vraiment faire le moment. Et après, quand on déguste, c'est très important d'aller prendre tous les éléments, ah, donc oui, d'aller jusqu'au fond de l'œuf. Et de bien mélanger, de retrouver le cèpe haché dans le fond. Hein. Voilà, exactement. Et l'oxalis qui apporte cette note acidulée. Alors, vas-y, je te laisse finir. Alors, justement. Là, on va terminer. Donc, il nous reste une minute d'émission. On coupe juste sur les côtés, comme ceci. Et après, on coupe. Ça, faut pas gâcher. Hein. Par le milieu. Mmh. Voilà. Oh là là. Et on va le disposer comme ceci. Mmh. Pareil pour celui-là. Comme tu dis, ça apporte du peps, hein, tout ça. Hein. Le cresson, attends, c'est pas le fini. Citron vert et le parmesan. C'est pas fini, c'est pas fini. Et là, on rajoute une petite note de citron vert. C'est génial, ça. La cuisine comme de Jean Sulpice, le chef de l'Oxalis à Val Thorens. Pour petit vous, peu de sel. Dans 24 minutes chrono, regardez un petit peu de sel. Du poivre. Un peu de poivre. Et ça, ça peut être à déguster pour l'apéritif ou une petite entrée, tout simplement, avec quelques feuilles de salade.
C'est le maquis de Val Thorens. C'est ce qui s'appelle la magie de la cuisine. La magie de la cuisine. Un grand merci à toi, Jean, d'être venu dans cette émission. C'était un plaisir de voir ta cuisine, ton univers, toi qui es très attaché aux produits, puis vraiment à la précision et à l'excellence. On l'a bien vu. Une photo avant de se quitter. Ah. Hein, toujours, ça c'est la base. Je vous le rappelle, vous retrouverez cette recette sur notre site www.cuisine.tv. Un grand merci à Jean Sulpice. Et comme on dit ici, photo. Merci, Jean.